Hey yo tout le monde, c'est NF2 Games et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les toutes nouvelles quêtes de la guilde YGG. Alors pour commencer directement, on va se retrouver juste ici à droite de Terra Villa. Et donc nous sommes arrivés juste ici par la gauche et on va se rendre directement à l'intérieur du château des guildes. Une fois à l'intérieur, on aura donc trois missions à réaliser, donc une mission par personnage. Donc pour commencer, on va cliquer juste ici pour se rendre sur le site officiel de la guilde YGG. Donc on va mettre yes. Et une fois arrivé sur leur site, il va vous falloir vous inscrire. Et une fois arrivé sur cette page, vous allez juste devoir appuyer sur Admit to the list. Et donc on va commencer directement par la première quête. On va cliquer juste ici. Et comme vous pouvez le voir, la première quête nous a été donnée. Et pour réaliser cette première quête, on va juste se rendre devant le château. On va se rendre sur l'autre gauche. Et juste ici, il va falloir cliquer pour récupérer une loupe. Et voilà, on vient de récupérer la loupe. Une fois la loupe récupérée, on va re-rentrer dans le château. Et nous allons recliquer directement sur le personnage. Et comme vous pouvez le voir juste ici, la première quête a donc bel et bien été validée. Ensuite, on va aller voir directement Luc. On récupère la deuxième quête. Et pour faire cette deuxième quête, on va cliquer directement ici pour aller plus vite et se rejoindre directement à Terra Villa. Une fois à Terra Villa, on va se rendre directement devant le post office. Et une fois arrivé devant le post office, on va prendre la loupe qu'on a récupérée tout à l'heure et cliquer juste ici en haut à droite sur les vitres cassées. Et voilà, nous avons récupéré une mystérieuse empreinte. Nous allons ensuite retourner au château. Une fois de retour au château, on va retourner voir Luc et il va nous donner une Pixel HQ Key. Donc comme nous pouvons le voir juste ici, la deuxième quête a bel et bien été validée. Et ensuite, on va aller parler à Gabi pour récupérer la troisième quête. Pour réaliser cette troisième quête, on va se re-téléporter directement à Terra Villa. Une fois de retour à Terra Villa, on va se rendre directement au Pixel HQ. Et une fois à l'intérieur, on va se rendre juste devant l'ascenseur et on va utiliser la clé que Luc nous a donnée. Une fois l'ascenseur pris, nous allons arriver dans cette salle et on va se diriger sur notre gauche. Et juste là, on va récupérer la loupe et cliquer vers le haut à gauche. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a récupéré un nouvel objet. En passant, on peut récupérer aussi des conguiums. Et aussi juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a un poisson. Donc si vous avez fait la quête de Geose, vous allez pouvoir utiliser votre filet de pêche pour récupérer le poisson qui se trouve juste ici. Comme vous pouvez le voir là, on a récupéré le poisson. Une fois cela fait, on va se rendre directement au château. Et une fois de retour au château, on va aller parler directement à Gabi pour finir la troisième quête. Et voilà, donc comme on peut le voir juste ici, la troisième quête a bel et bien aussi été validée. Et voilà, donc les trois quêtes sont bel et bien terminées. On va ensuite pouvoir cliquer sur un des comptoirs des trois personnages et on va se rendre sur le site de la guilde YGG. Et donc comme vous pouvez le voir ici, la quête level 1 a bel et bien été validée et donc on va pouvoir récupérer nos 300 de réputation. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. C'est tout pour moi, c'était NF2Games. Ciao tout le monde. All down in the cold, 40 on me and I'm running with the truth. Oh, yeah. She thinks she know what to do. When I ride with that guy and I light up your crew.